Il va être tout le temps sur le vaisseau. Donc du coup, avant de me faire déranger par la compétence spéciale, je vais nommer le fan. Ah, il est censé m'apporter des cadeaux, hein, c'est ce que j'ai lu dans le truc. Hein. Pas que j'ai pas choisi pour rien. Tu m'appelais ? Ah, ne serait-ce pas mon agent de sécurité prêt. La criminalité a ralenti depuis votre arrivée. Ça booste le moral des troupes. Oui, j'ai justement quelque chose. Une bagarre au coq matinal. Les agents de l'établissement s'en sont chargés. Mais l'un des gars accuse l'autre de lui avoir volé son alliance. Le problème, c'est qu'il est parti sans identifier le coupable. Alors vous allez parler à Roy Selgin au coq matinal. Voir s'il aurait plus d'informations. Je peux m'en occuper. Bien. Revenez me voir une fois l'enquête terminée. Okay, demandez-moi si vous avez des questions. Ok, bah c'est déjà validé. Coq matinal, ça me dit rien par contre comme zone. Peut-être que je voyais en anglais et puis j'ai pas dicté. Ah, il y a un petit problème dans l'animation. Il manquait le démarrage quoi. Donc Pioneer Tower. Ok. Ah, c'est ça que je disais, il y avait dans le truc d'habitation un restaurant en bas. Donc ça s'appelle le coq matinal. Ok, j'ai pas trop fait gaffe. J'espère que vous ne leur trouverez pas d'équivalent. Goûtez-les et vous serez d'accord. Je suis là à propos de la rixe, ce qui a eu lieu dans votre restaurant. Ah, un incident bien regrettable. Compliqué par le fait que les deux parties étaient ivres. Je n'ai pas suivi toute la dispute, mais Hugo et Octavio dînent ici ensemble depuis un bout de temps. Alors, les voir se sauter dessus m'a étonné. Je dois trouver l'une des personnes impliquées. Apparemment, il a volé quelque chose. Ce doit sans doute être l'homme svelte, Hugo Fournier. C'est lui qui s'est excusé à l'arrivée de la sécurité de Lucé. Il me semble qu'il vit dans la tour Athéna, même s'il n'y est pas souvent. Je vous conseille de commencer par là. Très bonne journée. Ok. Tour Athéna, bon. Est-ce que je vais devoir forcer une porte ? Ok, bonjour. Bonjour. Oh, cet Octavio est incroyable. Quel menteur. Quel manipulateur. Quel... Cet homme qui vous accuse de vol ? Oui, l'homme qui... Attendez, pardon ? Il m'accuse de vol ? Il en a du toupet, ce Don Juan. On était en couple depuis 5 ans. Une demi-décennie. Un lustre. Et il a tout envoyé valser pour ce serveur. Votre ex prétend que vous avez volé cet anneau. Il peut dire ce qu'il veut. En ce qui me concerne, elle m'appartient. Il me l'a offerte quand il m'a demandé en mariage. Il peut pas la récupérer. Légalement, elle lui appartient toujours. Je m'en fiche. Je vous la donnerai pas. C'est pas très malin de contrarier les sécurités du C. Alors vous aussi, vous me volez.
Vous ne me laissez pas le choix. Ah, c'est une preuve dans une affaire criminelle. Je dois la confisquer. Un délit ? C'est une blague ! S'il y a bien un criminel dans cette histoire, c'est ce cocufieur ! Laissez la bague à la sécurité pour l'instant. Vous la récupérez quand la justice aura tranché. Dans vos rêves ? Je sais bien qu'à la minute où je m'en sépare, elle disparaîtra. Je me fiche que vous travaillez pour Lucé. Et pour ce qui est de la bague... Ah, non, faut que je recommence. Hein. Et, ah, je perds quelques minutes quand même. Faudrait que je pense à sauvegarder avant de discuter avec les gens. Je pense pas toujours qu'il y a une persuasion qui va se lancer. Même si je mets tous mes points dedans, ça suffit pas pour que ça réussisse à chaque fois. Et du coup, ça s'arrêtait où ? Ah mais d'accord, donc du coup, il faut que je refasse la discussion avec le barman. J'ai l'animation cette fois-ci ? Non, toujours pas. Non, c'est pas envie. Très bien. Tac. Je n'ai pas suivi toute la... Alors, je vais aller plus vite avec la souris. Ce doit sans doute... Il me semble que... Très bonne journée. Et... On vérifie une théorie aussi. J'ai l'impression que je peux aller plus loin en sautant comme ça. C'est complètement faux, mais... Traînez pas dans le coin. Ah, j'ai pas retenu à quel moment j'étais dans le rouge, mais... Je tuerais pour un café. J'étais déjà dans le rouge. Je peux aller beaucoup plus loin. En sautant comme ça. Oh, cet Octavio est incroyable. Cet homme qui vous a accusé oui, de vol, l'homme ça, qui... On était en couple. Votre ex prétend... Il peut dire ce qu'il veut. Cette il me l'a offerte quand il m'a demandé. Je vais te persuader. M'en fiche. Ah non, c'est pas ça. Je vous la donne. Arrêtez de vous entêter, donnez-moi la blague. Vous avez... c'est du vol ce que vous faites. Vous allez en prison pour ça ? Si vous vouliez m'arrêter, ce serait... Ah, c'est un cadeau. Sous condition, la bague vous appartient uniquement si vous vous mariez. C'est ce que dit la loi ? En toute honnêteté, j'en doute. Ah, je suis énervé, mais je veux pas aller dans une prison de Lucé. Ok. Tenez. Voilà. Je vais faire tout en sautant, du coup. Salut. Bon, ok, j'avoue. J'ai vendu le vaisseau de ma sœur, je lui dis que quelqu'un... Mais voilà. L'entrée... C'est là. Hey. Ne serait-ce pas mon agent de sécurité préféré ? Bien sûr. J'ai terminé mon enquête sur la rixe au coq McNall. Ah, parfait. Vous avez réussi à récupérer la bague ? C'est fait, tenez. Parfait. La victime sera sans doute ravie d'apprendre que son bien a été retrouvé. Vous avez encore mené votre mission à bien. Vous avez un truc pour les enquêtes de police. Tenez, prenez ça. C'est bien mérité. 2500, ça paye de plus en plus, c'est bien. Ok, donc du coup j'ai plus rien à faire ici. Vérifiez l'inventaire de votre vaisseau. Pardon. Pardon.
La carte, elle est là. Je voudrais aller ici. Et ça va marcher cette fois-ci. Parfait. Qu'est-ce que je dois vérifier dans l'inventaire de mon vaisseau ? Comme à votre habitude, vous rayonnez, capitaine. Ouais, mais il y a tellement de choses que c'est un peu difficile de... Vous êtes vraiment la meilleure personne qui soit. Non, encore meilleure que meilleure. Je sais que c'est grammaticalement impossible, mais vous avez quand même réussi à le... Je crois qu'il va parler tout le temps, ce type. Inventaire. Stout. Soin. Ressources. Il y a un truc spécifique que je dois trouver, mais je sais pas quoi, quoi. Y a rien qui me tilte vraiment les... Faire. Comment je vais me démerder? Celle qui était fait au tout début parce que je suis censé avoir rien. C'est ce que j'ai fabriqué tout à l'heure d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Vérifiez l'inventaire de votre vaisseau. Regardez Starfield. Vérifiez l'inventaire de votre vaisseau. Voilà, ça se génère tout de suite. Ouais. Ouais, alors c'est cool, mais bien là, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste prendre un truc. Alors si je prends les pièces de vaisseau, c'est tout. Yay. Transfert de mon inventaire. Un divers. Non, je voudrais mettre les pièces de vaisseau. C'est un peu lourd. Voilà. Ok, c'est juste prendre une pièce au hasard et il est content. Atterrir. J'essaie d'avancer déjà l'exploration d'une planète. Savoir ce qu'il faut faire. Encore un atterrissage réussi. 10 sur 10. Fermer toutes les pages. Alors maintenant que j'ai un casque, est-ce que je peux me balader?
La réponse est oui, c'est bien. Ok, c'est l'équation extrême, ouais. Ah, il y aurait un autre point à valider, à se balader aussi après. Et du coup, en scan, il dit ressources. J'en trouve deux ressources. Ok. Je peux éviter de mettre devant le truc que je dois scanner. C'est pas ça que je dois scanner. Non, c'est les verts que je dois... Non, bah non, bleu c'est pas scanner. Poste de recherche. Ouais. Ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, donc ça peut être que celui-là. Ok. Est-ce que celui-là est possible ici? Oui. Donc il faudrait deux comme ça. Ça. Ok avec ça. Ok avec ça. Il faudrait un 3. Enfin, un 1. Pas de chaud. Si je prends un truc du genre... Il est mort, j'ai mort. Inutilisable. Là il est utilisable mais c'est compliqué. Je me suis coincé, je crois. Il n'y a pas un assis avec deux. Ah mais il me faudrait encore un deux. Et là, il en faudrait trois assez séparés. Pas le cas, c'est un peu un face-face. Je sais pas, c'est pas vraiment face-face, ouais. Et là j'ai plus rien qui fonctionne avec ça quoi. Pas beaucoup d'aligneurs d'ailleurs, hein. Faudrait que vraiment que je fasse des économies là-dessus. Alors, ok, tu m'en proposes déjà un truc. Sachant que c'est celui-là que je peux l'éliminer dans tous les cas. Il est inutilisable le troisième. Troisième ne sert à rien. Bon, je l'ignorais.
Et celui-là il serait utilisable que dans ce sens-là. Là, on peut faire plein de choses avec. Hein. Pas tant que ça en fait. Ouais, j'ai deux mêmes endroits donc non. Vraiment tout d'un côté. Oh la vache. Ah, il est possible que dans ce sens là. Avec le point bloquant est celui-là qui est en bas là. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un 2 et un 1. Ok. Il est où? Ok, va pour ça. Ensuite, le 3 ne sert à rien, j'avais dit. Celui-là peut faire des choses. On est un peu séparés. Celui-là, il est utilisable. Sauf qu'il y en a un qui est bloquant. Et toi, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Je peux faire ça. Non. Et ça. Sauf qu'il en reste 3. C'est ça. Voilà. Statut de commande robot inactif. Mettre à jour les paramètres. Remarque, assurez-vous de lire attentivement le manuel. Paramètres actuels, standard. Protéger l'utilisateur actuel. Les robots de combat dont l'animateur de combat a été retiré considéreront toutes les entités à proximité comme une menace. Tout le personnel allié doit évacuer la zone avant de lancer le test. Activer les unités. Scan en cours. Membre de la FAT identifié. Désengager les protocoles de défense. Ah, il semblerait que le combat commence. Alors je pourrais commencer à utiliser mon snipe. Ah, il y a des mondes partout en fait. Ah, j'ai cru avoir un point rouge. Tire dessus là. Vagabond pirate. Ok. Ensuite, qui c'est qui nous tire dessus? Ciao.
Ah non, c'est mon allié qui a un laser vert comme ça, putain. Ils ont peur de se montrer ou... deux niveau 6 là-bas. Voyons combien de temps tu vas durer. Ok. Donc on peut fouiller toute la zone. Même si c'était pas là du tout. Je vais aller, il y a des grenades aussi. Je sais pas si le robot que j'ai débusqué... était utile. Tac tac. Et où il s'est fait défoncer en 2-2. Le viseur est pas fou. Hein. C'est avoir un meilleur viseur quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc il y a toi avec un raffi casque spatial en bas. Bon, ça le touche. Qu'est-ce que ça m'a looté? Tout en mieux. Avec en plus anti-balistique, galvanisé et 4 chances de renvoyer les attaques. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est tout ça hein? À 1000 crédits, ah ouais, ça peut rapporter. T'as combien de stock? 76. Ça, j'ai fait. Fais le tour à l'extérieur volontairement. Sauvegarder parce que j'ai pas beaucoup d'aligneurs donc je me plante pas. Ah, avec deux bouts. Et comment toi? Non. C'est pas utilisé pour celui-là. C'est deux, deux, des deux, des deux et des deux. Un, deux. De c'est impair, donc il faut que celui-là je le place obligatoirement. Ok, donc ce serait ça. Et ça.
Ensuite, toi aussi, je te place. Il faut mettre deux côte à côte. Comme ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des vents. C'est inutilisable. Ça c'est utilisable. Ok, c'est ça le niveau expert, allez, vas-y. Voilà, des balles, 900 crédits, 2 soins, et un silencieux calibre 27. Enfin, notre arme du coup. Encore des crédits, ça? Crédit stick. 700. Ah oui, d'accord, ok. Non, on a le terre, ça va le faire. Tac. Des jeux de cartes. C'est pas du Coca-Cola, mais tac, ok. Ok, je vais tout peut-être ouvrir ça. Je vais analyser. Petite zone bien sympathique, même si ça me donne pas de d'aligneur. Hein. De, par devoir en acheter. C'est pas l'entrée de base. Pas rentrer pour le bon côté. Hein. Y a rien dedans, ok. C'est récupéré, mais ça ne sert à rien. Un aligneur, voilà, parfait. Ah, je le sauvetage avec infirmité. Oulolo. Épique. Ah, c'est en dessous de légendaire. Ok. J'avais pas encore eu d'épique jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce qu'il faisait ici. Et puis, ça se trouve que ça ne. Ok. Ok. Ça s'ouvre ça? Big Food. Ah oui d'accord, ça fabrique... VHS. Ah oui, oui. On est dans le futur quand même. Bien, c'était trop utile. Ah, et jeter des couteaux.
Alors, faut que j'enlève le menu pour l'ouvrir. Ok. Ok. J'ai tout bien analysé pour ne pas oublier un composant qui pourrait être intéressant dans le futur. Ok. Il y a encore une partie ici. Après, je trouve la touche de la torche. commande. Non, pas ça. Raccourci. Ah. C'est F. Maintenir F. Ok. Bon, c'est juste la cuisine, ça. Qu'ils ont stocké des balles ici. Probable qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Des couteaux. Amorce lourde à particules. C'est dit. C'est bordel ici. Ok, donc du coup je me suis retrouvé en bas. Ouais. Ah, il y a encore une partie là-haut. Canapé, qu'est-ce que ça fout là? Lysinogène, ok. C'est quoi celle-là? Un établi d'armes. Une lettre moyenne. Il y a une courte, je pourrais. Ah non. Pourquoi elle est. Non, c'est que le viseur en fer qui est possible. Okay. Ah oui, non, mais non, c'est une catastrophe ça. Je vais l'installer parce que je l'ai déjà sans doute. Recherche nécessaire, mode et lunettes de laser 2. Ah oui, non, j'ai même pas le mode. Même si j'ai les compétences. Bref. Rien ne s'utilise ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ça. Ça, ça. Et rien de plus. Ok, je pense que j'ai fait le tour de la zone. Tac. Deux, trois petits trucs qui traînent peut-être.